Aujourd'hui, mission Vénus. Alors, on part de nuit, hein. Normal. Parce que. Comment elle s'appelle? C'est Elisabeth Tessier, c'est ça? Truc astral. Comment on peut savoir combien on a de fusées dans notre. De roquettes dans notre fusée? Quand tu la pêches, normalement, t'as déjà de l'essence sur elle. Ça t'indique le gasoil que tu as. Ou sinon, Quand t'appuies tu. sur I quand t'es à l'intérieur. Alors. I. I me donne rien. Ah, non, c'est F. Ah Ah ben oui. fuel 0%, tiens. Bah voilà. Alors, est-ce qu'on la remplit? On a le fuel loader. Normalement, avec une canister entière, tu peux faire aller-retour facilement. Ok. Mais toi, il va te falloir une canister, non? J'en ai une. Ok. Bah écoute, on remplit tout. Il faut deux. Non, il faut une batterie pour tout remplir. Hop. Où est-ce qu'on les charge les batteries déjà? En dessous. Ah oui, dans le truc. Ouais. Ah ouais, sauf que ça consomme trop d'énergie. Quoique là, on devrait en avoir. Attends, je vais recasser ça. Bon, on fait ça vite fait, les gars. Hop, comme ça, on est tranquille. Je sais plus qu'est-ce qu'il faut casser là, ça. Hop. Bingo. On va recharger les batteries au cas où. Et charge Albert, qu'on décolle. Ils nous en. Bah, de toute façon, on s'en fout, on n'a pas besoin de batterie, non? Bah là-bas pour recharger, si. Bah, non, sauf qu'on sera plein en termes de. Fuel! Assez pour faire l'aller-retour. Non, il faut que tu recharges parce que quand tu atterris sur une planète, ça te décharge dans le chest. Ah oui, c'est vrai. Donc du coup. Alors, j'ai une batterie pleine. On va brancher ça. J'ai mes Oui. pizzas. On récupère le fuel loader quand même. Oui, de préférence. Voilà, qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? J'ai deux canisters vides. J'en prends qu'une seule. Oui, une seule ça suffit. Moi j'en ai une. On a le fuel, donc on peut partir. Ok. Bah c'est parti. Allez, 3. Moi je suis pas Deux. dedans. Un. Épée n'est pas dedans. T'es parti où? Je suis en train de recharger une batterie au moins. Ah oui! Bah oui. La batterie. La batterie. Et on consomme pas d'oxygène quand on est dans une fusée, mec. Ah bon? Ah c'est cool. C'est nice. C'est bien, je vois tout d'ici. Il est sympa ce F5 de loin, là. Ouais. Permet d'avoir une vue, putain on a toujours nos arbres de la jungle dégueulasses, faudrait les couper hein. Faudrait qu'un jour D'accord, on elle se est belle fasse ta. aussi une... La petite épée en diams. Ouais, une armure. Ça sinon on risque de prendre cher. Ah, c'est pour les zizi. Ouais, c'est ce qu'on va dire. Allez, 3, 2, 1. Oui! Voilà. Bon bah reparti, vous connaissez le décollage, ça ruine pas du tout. Les oreilles comme d'habitude. Ah ouais, c'est fou, hein. L'oxygène, on le perd pas dedans. Non, c'est pratique, reste dans ta fusée quand t'as des problèmes d'oxygène. Voilà. Oui! Est-ce que je peux entrer en collision avec toi? Oui. Et ça explose ou comment ça se passe? Bah tu brûles et ensuite je pense qu'on se traverse plus qu'autre chose. Et hop là, ça disparaît, on voit le soleil évidemment. Oh putain mec, je suis un peu trop près de toi. Mec, on va se toucher. Le pire décollage possible. Alors attends, on est bien d'accord que. Non, astéroïde c'est tier 3. Donc ce qui est Jupiter. Attends, je regarde dans Jupiter. Ouais, c'est tier 3. On peut aller sur Io, sur Europa. Ah mec, faut aller sur Europa. Europa. Ok, alors nous on va aller sur Vénus. C'est tier 2, Vénus. Pas de satellite autour de Vénus. On peut aller sur Mercure aussi. Bah vas-y, on va sur Vénus. Vénus, donc après, il y a Mars dans une direction, on est déjà allé. Et Vénus dans l'autre direction, donc c'est pas trop trop loin. Oui. Alors, nous sommes près d'un village avec des blazes.
et des creepers. C'est parfait. Bon. Alors comment on fait pour ralentir? Y a pas besoin, on attend juste de tomber. Ok. Bon bah ça c'est fait hein. Oh mec, on a pas Soulbound. Ah oui. T'es fait. Ah oui, bah toi t'es tombé au bon endroit mec hein. Ah bah oui, puis je suis en train de crever d'oxygène. Reste une pepperoni. Attends, t'es où? T'es loin? Ouais. Ah oui, en plus on n'a pas de thermal. Ah. Si si, moi je l'ai. Bah moi ça l'a pas compté. Il a perdu. Bon alors attendez, opération sauvetage. Il faut sauver le soldat épée. Je vais aller essayer de récupérer. Ah oui, mais toi t'as tout perdu ton stuff. Ou oh merde, il y a une explosion mec. Oui, c'est un creeper qui l'a pété. Et du coup t'as perdu ton stuff ou comment ça se passe? Ah non, mais non, y a ta tombe, non? Oui, et je crois que j'étais dans la bulle donc Ok, alors je t'avoue que c'est pas très Charlie. C'est genre pas Charlie du tout. Non mais, je vais crever. Non, me touchez pas. Putain de blaze. Bon, pizza, pizza, pizza. Pourquoi je prends des dégâts? Oh ouais. Merde. Non, il faut la thermal protection. Mec, je prends des dégâts parce qu'il fait trop chaud en fait. Oui, bon voilà, c'est bien ce que je pensais. Ça me protège pas ça? Abort mission, abort. Alors? J'ai fait 2 mètres de plus. Comment ça se fait qu'on prend des dégâts? Mec, j'ai quand même... Oh putain, mec, y'a des donjons partout. Oh, c'est pas pour nous, Vénus, hein, je crois pas. Bon! Tu voulais pas une protection? Ah, si. Mais moi, j'ai ma protection thermale, en fait. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Je crois qu'il faut une thermale au-dessus. Ouais, ça doit être au-dessus. Mec, y'a des donjons partout. Alors, comment qu'on va faire? Parce qu'en gros, on peut pas trop s'approcher de ce village-là. Et épée est coincée pour l'instant. Moi je me rends en boucle, donc c'est bien. Non, je regarde juste parce qu'il y a des sortes de box. Ah mais c'est des donjons ces trucs. Écoute, moi je prends des dégâts mais j'arrive à régène quand même. Ah, le problème c'est qu'il fait nuit, non. Mec, c'est ça qui est l'enfer. Il fait nuit, putain, on dirait qu'il fait jour. Le soleil va se lever, non non il fait nuit. Aïe. Un mec il fait nuit. Oh putain mais mec, comment on fait? Où est-ce que t'es mort déjà toi? Là où qu'il y avait le trou. Le melon, mec, le melon soigne rien. Les blaze spawn naturellement. Merde. Ah, le village est là-bas. Oui, il est là-bas. Il y a de la lave sur Vénus. Ouais. Okay. Avec des bons mobs. Eh mais mec, c'est infâme, hein. Le melon, ça donne rien comme bouffe. Alors, je peux tenter d'aller choper ton stuff. On va essayer d'aller faire ça. Ensuite, on rejoint et ensuite, on se barre sur la lune. Ah bon? Ouais, j'ai fait 10 mètres de plus. C'est court, marathon. Le problème, c'est que je peux vraiment pas régène. Hellblaze. Je vais te fighter, hein. Ok, il y a des aliens villageois. Ok. Ok, j'ai atteint. Ok, il y a ta tombe. J'ai ta fusée. Ah, c'est déjà bien. Mec, par contre, il n'y a pas ta tombe. Hein. Peut-être que c'était dans la boule. Non, dans la boule, j'ai pas ton stuff. Il y a ta tête. Ah, si, c'est bon. Ok, ta tête était sur un pic. Ok, j'ai tout récupéré. Ah, c'est bien. Maintenant, il faut que t'ailles vers le nord. C'est là que je repop à chaque fois. Nord. On a des teens décoration blocs. En 0-0, j'y suis. Attends, mais je regarde, il y a les petits villageois. Et mec, ils ont un puits avec de l'eau. Salut les Vénusiens. Ça boum. Serait-ce un bruit de blaze? Oui, cassons-nous. Alors attends, t'es en quoi? En 0-0. Ça va, t'es pas loin.
Non, dégage le creeper, dégage! Bon, je savais pas, mais il y a de l'eau sur Vénus apparemment. Il fait 50 milliards de degrés, mais il y a de l'eau sur Vénus. C'est un vrai gruyère le 0-0. Donc, nous allons évidemment. Putain, il y a un blaze là-bas. Non, m'allume pas. Oh putain, je suis allumé. Je suis obligé de manger en continu. C'est infâme. Pas les canisters. Ah oui, parce que je suis full. Non, mais l'araignée, casse-toi! Tu voulais pas une protection? Bah si finalement. Ah merde, c'est pas par là. Attends, bon les gars, on va manger une pizza parce que y a plus de. Le nombre de morts sur l'écran, c'est infâme. Putain, Mec, mais comment je fais là? Je suis obligé de tout contourner, il y a des blazes de partout. justement, ils vont me Attends. focus. Mec, attends. Dégagez! Ah non. Ouais, t'es là, épée. Alors viens, on trouve un. Non! Run, run, par ici, par ici, par ici. Quatre, trois, deux, Tiens, tiens, je un, te refuse. Ouais, mais c'est mort, tu vas mourir. zéro. Ok, tu respawn ici ou ailleurs? Non, ailleurs. Ok, là-bas, viens, viens, par ici. Alors, pas sur, ouais, pas sur les blazes. Je te mets ton stuff par terre. Ouais. La thermale te protégera un minimum. Je te passe de la bouffe. Une fusée, ça. Ouf. Faut qu'on recharge, faut qu'on reload ou pas avec le fuel loader? Non, on s'en fout. Ah, il faut qu'on reload. Oui, mais on n'a pas de carburant, mec. Bah les... Ah bah les parachutes, il n'y avait plus rien. Pas les parachutes, les... Les quoi? Attends, tiens, j'ai oublié ça. T'es sûr qu'il faut qu'on reload? Ouais. Ah ouais, fuel 0%, mais mec, on en a pas. Ah bah merde. Il fallait qu'on en prenne en fait. Bah dans les chests qui descendaient ou dans les bubules, il y avait le fuel restant. Ouais, mais comment tu le récupères, le fuel restant? Avec une canister vide. Ouais, mais je les ai cassés. Ah bah on est coincé. Bon, les gars. Pour les biens de la science, on va se remplir des canisters. C'est lesquels? Well, canister. Ok, il nous en faut une, c'est 4124, 1. Ouais. Non, je t'en donne une aussi. Là, bon, là, on est obligé parce que. Bon, il faudra qu'on. Il faudra. On le saura, il faut qu'on parte quand même avec une canister en plus. Hein. T'as une pile aussi pour moi. Ouais, tiens. Ça, j'ai ça aussi, j'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Ah! Hey! Mec, il y a un Blaze qui nous regarde bizarrement. Vas-y, go. Façon, les Blaze nous regardent tout court, bizarrement. En charge. Bon, écoute, moi je grimpe là-dedans, on aura peut-être pas de thermal. Bon bah les gars, Vénus, c'est pas pour maintenant le Nakwada. Hein. On va regarder ce qu'il nous faut. Il nous faut surtout des armures, mais je crois qu'on peut faire des armures cheatées en. Mec, je prends quand même des dégâts là-dedans. Et on peut faire des armures avec du steel, non? Ou qu'est-ce que c'est qu'il faut? Dark Steel. Du dark steel. Ça sera plus swag. Putain, mais c'est chaud, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi hardcore. Je Ah t'avoue. moi je m'en doute un peu mais... Allez, 3, 2... 1, on se casse! Voilà, hein. Aïe. Vous en êtes pas au Blaze? What? T'as pris des Non. dégâts? Non, non, je suis sorti, je voulais manger un truc mais... J'imagine trop, tu meurs en l'air. Tu fais un petit clic, clic droit sur la fusée, t'inquiète pas, tu sors. Bon, au moins si Bon, tu veux de la lave. Vénus. Fuck Vénus. Sur Mercure, ça doit être pire encore. Hey, je vais plus vite que toi. Né. Pour l'instant, épée prend des dégâts, moi j'en prends plus. Ouais, tu vois, le soleil était à l'opposé. Le problème, c'est qu'on n'est pas arrivé au bon moment, mec. Hein. Ah bah non, pas du tout, hein. Putain, j'ai plus de 4 coeurs, hein. 3. Je vais crever. 2. Deux.
La Terre, elle est où? La Lune! Launch! Ah, comment space to slow down? Ouais, mais c'est bon, on est trop haut pour l'instant. Bon, elle est plus que 2 coeurs et demi. Ah, c'est bon les mecs, hein, je suis à la base. On est bien, on va enlever ça pour la bubble d'oxygène. Est-ce que tu peux récupérer mon stuff par hasard? Bah du coup oui. Ah, t'as fait un gros trou en plus. Bah mec. En bas il y a ta tête. La bubble d'oxygène, elle est là, elle est là. Ah. Bon, écoutez les gars, c'est l'épisode du fail, clairement. En fait, j'ai commencé à ralentir, mais beaucoup trop tard, et d'un coup, le sol était là. Et du coup, Arte, c'était triste. Bon, moi c'est bien, j'ai la moon teuf. Ah bah t'as de la moon turf, bah parfait! Tout était prévu. Bon, pendant ce temps, la bubble s'étend. Heureusement qu'on a cette petite bubble d'oxygène, sinon on crève en boucle, quoi. Ce bordel. Sais, moi je vais faire du charbon, hein, chacun son truc. Bon. Hydrogène, carbone. Bon ben RT pour le Naquada en tout cas. Moi j'y croyais. Ouais, pas du tout, mais... N'attendez pas à ça. Oh merde! Ah ben non parce que ça recharge, du coup il n'y a plus de bubble. Alors attendez, on recasse ça. Du coup il va y avoir re une bubble. C'est moi qui respire de l'air. D'accord, ok. T'es en train de me dire qu'est-ce que tu fais? Elle est toute petite la bubble. Tellement long à s'étendre. T'es loin en termes de blocs? 1000 blocs, mais j'arrive. Bon, on va ellipser ça les gars. Hein. À tout de suite. 1. On se retrouve avec Epic et Swag. Alors, nous avons regardé en détail. Il n'existe pas de machine. Enfin, de thermal protection au-dessus de celle qu'on a. Et apparemment, de ce que j'ai vu sur le net, c'est un bug. Il s'agit d'un bug. Un gros bug. Un gros bug. Donc, du coup, c'est un peu la loose. On a essayé d'update en version plus récente, mais ça fonctionne pas. Hein. On est obligé de reset la map, grosso modo. Enfin, ça avait pas l'air de fonctionner. Donc, si jamais vous avez des idées de solutions dans le chat, enfin vous avez une solution, n'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, l'upgrade ne fonctionne pas. Le downgrade, je pense que pareil, c'est trop risqué, parce qu'on aura des soucis sur des mods. Donc, je pense que si on retourne sur... Bon, déjà, on va se faire une armure, Oui. une vraie. Alors dans la solution qu'ils donnaient, de ce que j'ai vu, c'est les mecs disaient de prendre un seau de pénicilline et tu passes dedans de temps en temps parce que la pénicilline te donne l'effet régène. OK. Et comme ça, le régène counter le overheating quoi. OK. Donc voilà. Alors après, il faut c'est pas un bug, mais quand on regarde niveau thermal, la seule armure qu'on a qui existe, c'est celle-là, un thermal padding. Attends, je vais remettre Galactic Craft. J'ai regardé Galactic Craft et puis mort planète. Il n'y a pas de protection supplémentaire. La seule qui existe. Qu'est-ce qu'on peut faire comme armure qui sent le swag? Bah, il y en a une que je suis en train de préparer, sauf qu'elle est un petit peu longue à faire. La Heavy Duty? Non, c'était la Dark Steel carrément. Ah, vas-y, Dark Steel! Donc elle est encore mieux la Dark Steel, je crois qu'elle est plus résistante. Surtout si tu l'upgrades, tu peux avoir des RF dessus, donc un cassable, et puis tu peux avoir Night Vision Solar 2 dessus. Alors tu l'upgrades comment? Avec une anvil spéciale en Dark Steel, des levels, et ça t'explique un petit peu ce que tu as besoin pour l'upgrade. Ok. Alors attends. Et sur certaines armures, ça te réduit 95% de damage absorbé. Absorbé by power, effectivement. On a du speed 3. Donc En si power 4. Donc pour ça, il nous faut les phaser flinge à une 3. la Dark Steel en ville.
Ouais. Donc il nous faut beaucoup de dark steel. Le dark steel, c'est pas trop galère. Ah, t'as fait un double layer. On t'essaierait pas de faire un octadic? Ouais, il aurait fallu du vibrant à gogo et les underpearls, c'est pas ce qui manque. Bah, c'est pas ce qui est en trop. Ouais, mais attends, si je dis pas de bêtises, les enderpearls, on peut en faire. Est-ce qu'on a du calcium? Oula. Regardez si on a du calcium. Capacitor, hop. Ouais, si on a du calcium, on peut en faire. Bon, écoute, moi je fais du fuel. Pendant ce temps. Donc oui, donc c'est un petit peu la dèche. Du coup, si on va retourner sur Vénus, parce qu'il nous le faut pour le Naquada. On est un petit peu dans la merde pour l'instant. On n'a pas de calcium. Ah si, on a du calcium carbonate. Bah c'est bon, on en a en masse. On a du calcium carbonate et il faut de l'einsteinium et on en a plein. Donc, je dis pas de bêtises, c'était un au centre et un sur les côtés. On a une enderpearl. Boum! 13 enderpearls! Oui. Comment il s'obtient le calcium carbonate? Faudrait deux underpearls et je peux faire la version évoluée. Qu'est-ce que j'ai décomposé pour avoir du calcium carbonate? Oh, je l'ai obtenu. Il te faut combien d'enderpearls? Deux. Bah vas-y, hein, j'ai. Tiens, j'en ai 13 là. Donc je suis en train de refaire les doubles capacitors là pour faire les deux en upgrade du coup. Raté. Ah oui, 13, très bien. Oui, bah je t'ai dit, en fait, il fallait de l'esthénium et du calcium carbonate, mais je sais pas comment je l'ai obtenu le calcium carbonate. D'ailleurs, moyen d'en refaire. Bon, un petit peu frêlé dans notre élan là, pas de bol. Ouais, après Vénus, très... Bon, on va aller sur. On va faire de la tier 3 après. On va aller sur les satellites, on va faire brou brou brou. Parce que là-bas, on n'aura pas de soucis de chaleur en fait, sur les satellites de. Sur la barrière d'astéroïdes ou les satellites de Jupiter, où apparemment il y a pas mal de trucs. Ah, tout ce que t'as fait des petits rouleaux de maïs rouge là. A l'air sympa. Oui, c'est pour la machine qui est là, tiens, le gas turbine contrôleur. This machine is incomplète. Il manque une Ouais, turbine. parce qu'il manque beaucoup de choses dessus et ça a l'air plutôt pas mal comme mode à tester, mais ça a l'air pas mal. Va découvrir ça. Alors, on a deux quests unclaimed. Ah bah oui, c'est celle-là parce que je suis mort. Bon bah écoute. Bah, surtout moi qui est mort en boucle. Ah, toi t'es mort en boucle. Et moi je me suis crashé comme un tocard. Ouais. Hop, on va mettre ça ici, ça pourra toujours servir. Le petit crash des familles. Il me faudrait des de l'ost... Non, bah, j'ai rien dit. La glowstone, on en a plein. Hop. Alors, normalement, c'est comme ça et comme ça. Voilà, j'ai une octa. Hop. Bon, on va avoir du carburant, mec, hein, c'est pas un souci. Bon, bah écoutez, nous, on va finir tranquillement l'épisode comme ça, là, comme ce qu'on est en train de faire. Et on va réfléchir ce qu'on va faire. On va continuer les crafts. Voilà, c'est fait. Pense que dès qu'on aura l'armure, on retournera sur Vénus en se filant un effet, juste un effet régène 1, c'est light, mais pour contrecarrer le truc du thermal. Bon alors évidemment, ça contrecarra aussi un peu les dégâts, ce genre de choses. Mais j'ai du mal à voir comment on peut faire d'autres. Surtout que le thermal, je pense, quoi qu'il arrive, c'est du 1 demi-cœur tous les X secondes. On n'a pas moyen de passer outre parce que l'armure doit rien protéger. Je pense, donc on n'aura pas trop le choix. Et là, du coup, ah, t'as un octadicapaciteur. Oui, ils sont faits. Ouais, ça va, c'est vite, hein. Bon, ça va, et puis l'énergie derrière, nos problèmes, hein. Ouais, l'énergie ça suit. Ben Non. c'est. Mec, on en produit. Ah, c'est en train de se vider un peu. On en produit pas assez, mec. Pas totalement assez, ça s'est stoppé. Après, est-ce qu'ils tournent les trucs? Non, là les trucs ne tournent pas, donc il y a vraiment que ça qui tourne. Eh, mais, ça pompe tellement d'énergie ce truc. Combien ils pompent de RF partic? 3 RF 100. partic? C'est tout? Non, non, c'est bon, ça se re-remplit.
Je déconne. Ça se vidait, mais ça se re-remplit. Tu sais, ça doit pas être homogène dans le tirage d'énergie. Attends, je suis trop Ah swag. non, c'est parce que t'as mis l'octadic. Et l'octadic augmente la capacité de la machine à 500 000. Donc Oui. c'était le temps que la machine se remplisse. Bon, en tout cas, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi j'ai un Dark Helmet? Parce que je suis en train de faire les armures. Yeah! Oh, le swag! Putain, c'est rapide. Bon, Bah bah une fois merci. qu'on a les machines pour, tiens je te fais un plastron aussi. Ah ouais. Hop. Et donc après, on l'empowerera et on retournera sur les autres planètes. Merci. Moi, je fais du carburant, mec. Hein. Oh bah vas-y Un petit amuse-toi. peu. Bah, là, c'est bon, on va avoir 4 canisters full. On va la défoncer cette Vénus. Il en faut 5. Ouais, elle nous a mis mal, mais là. On va la retourner. Et donc du coup, quand tu atterris, on est bien d'accord qu'il faut pas tout de suite casser le truc, il faut déjà récupérer le Voilà, carburant, c'est tu ça? récupères déjà parce que sinon tu perds tout le fluide qui est dedans, donc le reste. Un peu triste. Il y a combien de volume en fluide 10 buckets, non, là-dedans? Parce que j'ai l'impression que ça... Là-dedans, il y en a maximum normalement 8. Ok, parce que des fois j'ai l'impression que ça se remplit jamais le truc, tu sais. Regarde, il est toujours tout en bas. Ouais. Donc j'en ai mis tellement. Okidoki. Pouf. Ça fait le pantalon. Ah, ça Ouais. va vraiment vite, hein, ça va. Ça Bah cuit comme un... là. En octadic, ça cuit comme un four classique, ouais, c'est ça. Ouais. Bah surtout que là c'est de l'alloy, donc après si tu mets du 3x3, ça cuit 3 fois plus en quantité Ouais, et 8 fois plus en vitesse. en vitesse. Non, mais ça il fallait qu'on les fasse, les octadics. C'est généralement, on les fait tout de suite parce que Hop. c'est indispensable. Bon, on va attendre d'avoir l'armure. Tu crois qu'on a le temps de faire l'Enville? Comme ça, on se retrouve. Ouais, on peut faire l'Envil, de toute façon, il y a juste à cuire là pour l'instant. Ok, bon, donc on se retrouve juste après. Alors, vais-je réussir à avoir 10 levels avec tout ça? On verra bien. Oh oui! Oui, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Est-ce que t'as des vibrantes cristaux? Même m'en manque plus qu'un à faire. Oh mec, regarde comme c'est... Putain, alors, je sais pas si tu vois pour moi, mais ça déconne avec la thermale d'armure, c'est chelou. Non. Mec, pourquoi j'ai pris des dégâts? Oh, j'ai abîmé un peu mes armures. Bon, tant pis, Osef. YOLO. RT. Alors, on va faire un vibrante crystal. Ça va être joli. Ouais, j'ai un peu café à ça et puis ça devrait être bon. Oh oui, largement. Hop. Je vais peut-être même en faire plus. Donc, on a fait la Dark Steel en ville, qui est d'ailleurs Slighty Damaged. On va savoir pourquoi. Ouais! Et normalement, Alors, je ne sais équipe. pas sur lequel est mieux pour le faire. Bah attends, on va regarder. C'est quoi? C'est du Dark Steel. Alors, sur le casque, bah, en Powerhead, c'est 95% de damage absorbé par Power. Donc, logiquement, le mieux, c'est de le faire sur Plastron. le plastron. Voilà! Et avec un vibrant cristal, on le transforme en Powerhead. Ah putain, mec, on peut lui mettre en Powerhead 2 si on met un basic capacitor. Plus 10 levels, par contre, il manque les levels. Ouais, c'est cool, hein? En tout cas, on peut faire pas mal de choses avec. Ouais, on peut faire pas mal de choses. Alors, par contre, il faudra qu'on les alimente en énergie. Après, logiquement, si on met ça ici. Eh ben non, on peut pas. Ah non, c'est le double layer. Il nous faudra un truc pour une sorte de batterie. On fera des basic capacitors pour la prochaine fois. Enfin, des capacitors, banque plutôt. Pour stocker l'énergie en masse et pour pouvoir recharger notre armure. Comme ça, là, on pourra aller sur Vénus et faire brr brr brr. Voilà. Voilà, on Il nous peut y faudra aller. Oui. des levels d'XP. De toute façon, on n'a pas ce qu'il faut. Donc, j'aime tellement ton armure. Voilà, bon, on va se laisser pour aujourd'hui. Si vous avez une solution pour ces trucs-là, n'hésitez pas à nous dire. Il y a du beurre sur là-bas. Pourquoi il n'y a plus d'énergie? Mec, t'avais lâché Ah. tes lunettes. Oui, je les ai lâchés, c'est... Non, le swag avant tout. Bof. Ah oui, d'accord. Me Je l'ai demandez enlevé. pourquoi. Bon, allez, on se retrouve la prochaine fois. Ciao, 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 les gars. Tchou tchou.